Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à notre série de webinaires Solide Expérience. Alors, j'imagine que vous voyez de plus en plus le nom Solide Expérience. Alors, évidemment, ça regroupe la compagnie que vous connaissez très bien, pour laquelle vous êtes connecté aujourd'hui, donc Solide Expert, mais aussi notre autre compagnie maintenant regroupée donc sous le groupe Solide Expérience, Mécanica Solutions. Donc, il y a à peu près les mêmes activités que Solid Expert, mais pour vous aider avec toutes les solutions, CATIA et la 3D Expérience. Et Solid Expert est là, bien sûr, pour vous aider sur toutes les solutions SolidWorks avec la 3D Expérience. Donc, maintenant qu'on a une plateforme commune pour les deux environnements, eh bien, les compagnies se sont regroupées sous une seule bannière qui est la Solid Expérience. Donc, c'est pour ça que vous allez voir de plus en plus de communication au nom du groupe. Et vous allez pouvoir profiter bien sûr aussi de l'expertise de Mécanica sur cette plateforme depuis maintenant plusieurs années. Alors Jonathan, aujourd'hui, on se retrouve dans le but de d'élucider un petit peu beaucoup de questions qui nous ont été posées sur la plateforme. Alors ce qu'on a fait, c'est que Jonathan et moi-même, nous avons regroupé un maximum de questions qui nous paraissaient être les plus fréquentes et les plus pertinentes qui nous ont été posées par nos différents clients dans les dernières semaines ou mois concernant l'utilisation de la plateforme et plus particulièrement l'utilisation donc de la solution Enovia dans la plateforme. Enovia étant donc le volet de gestion de données. Bon, alors je dis gestion de données, je me trompe un peu, Jonathan, parce qu'en réalité, c'est bien plus qu'une gestion de données puisque c'est vraiment un environnement complet collaboratif qui nous permet donc de piloter nos projets, de piloter nos données, nos fichiers et de collaborer avec nos collègues. Donc, on va Ouais, tout à essayer. fait, hein? T'sais, depuis un an environ, là, la tendance est allée vers les solutions nuagées. Puis, on a fait déjà plus de 120, 150 présentations chez les clients de la 3D Expérience. Puis, les mêmes questions reviennent souvent. Fait qu'aujourd'hui, on s'est dit pourquoi ne pas faire un question-réponse sur justement ces interrogations des clients. Enovia, comme François l'a dit, c'est la partie solution pour la gestion de données. Un peu plus qu'un PDM, là, par exemple, mais c'est ce qu'on va élucider aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est Enovia? Exactement, exactement. Alors, juste avant de jumper directement dans la partie Enovia, petit résumé très très rapide sur la plateforme. Donc, la plateforme 3D Experience, c'est un environnement web avec donc un environnement cloud qui vous permet donc de gérer toutes vos informations et toute votre collaboration de façon infonuagique. Et vous allez avoir accès à un catalogue d'applications qui vont être disponibles. Vous allez pouvoir utiliser à la demande et aux besoins directement depuis la plateforme web ou depuis vos logiciels respectifs. Donc voilà un petit peu déjà pour l'environnement. Vous voyez en dessous ici la partie donc d'informations sur nos séries de webinaires. Donc vous le voyez de plus en plus, on essaye de faire des séries thématiques qui vont vous guider à travers les nouvelles solutions. Il y a beaucoup d'informations à partager, donc n'hésitez pas à scanner le code QR qui se trouve ici, vous allez avoir accès directement en fait à la liste de tous nos derniers webinaires qui traitent aussi bien de la plateforme 3D Experience, mais aussi de l'utilisation de SolidWorks et de l'utilisation des solutions SolidWorks à travers la plateforme. Oui, tout à Donc, fait. Hein. Cette année, en janvier, on avait le mois de conception. En février, on avait le mois de la simulation. Là, en mars, c'est le mois de la gestion de données. Puis, le mois prochain, ça va être le mois sur le design. Donc, moins conception mécanique, plus design industriel. Donc, on va voir les outils qui sont dédiés dans SolidWorks, nos solutions partenaires aussi, comme Power Surfacing, mais aussi les solutions de la 3D expérience, là, comme 3D Sculptor avec X-Shape pour faire des formes plus organiques. super, j'ai hâte de me rendre là effectivement avec les X-Apps, donc qui vous permettent de faire du design directement à travers une plateforme web, donc même plus besoin d'avoir aucune installation locale. Alors n'hésitez pas et puis allez voir un petit peu qu'est-ce qui se fait de ce côté-là aussi aujourd'hui.
Donc là, je vous ai présenté un petit peu plus ce qu'était l'environnement web de la plateforme. On ne va pas rentrer dans le détail, on l'a fait plusieurs fois. Vous pouvez consulter nos webinaires un petit peu plus de démarrage et d'introduction sur ce qu'est la plateforme 3D Experience. Mais en tout cas, vous allez voir que c'est un environnement dans lequel on peut cumuler un peu toutes les facettes de l'entreprise et collaborer avec tout le monde. Ouais, ben on le voit bien, hein, ici, là, on a concevé, simulé, fabriqué, géré, visualisé, informé. Ça, c'est les branches, en fait, de la 3D expérience. C'est tous les piliers où ce qu'on va aller avec la 3D expérience. Et ça se traduit par des solutions. Donc, SolidWorks, évidemment, pour les solutions de conception qu'on connaît déjà, desktop, mais même les solutions qui sont cloud dans la plateforme sont sous la bannière SolidWorks ou sous la bannière Katia. Okay? Donc, il y a également la 3D expérience sans le Works, là, qui est la bannière Katia, avec le Works et la bannière SolidWorks. On a les outils comme Simulia, Delmia, Innovia, 3DXsite et NotVibes, qui sont des piliers pour justement d'aller de la conception jusqu'à l'analyse de marché, l'analyse de compétition, puis des rendus photoréalistes, ce qu'on appelle les Virtual Twins là, avec le Delmia Works. Donc, pour avoir vraiment un plan de notre usine complet en virtuel avec toutes les automatisations qu'il y a dans notre usine. Donc ça, c'est Delmia Works qui peut faire ça. Super, Jonathan. Alors effectivement, on va parler un petit peu plus d'Enovia aujourd'hui, mais rassurez-vous, hein, il y a une plateforme pour tout le monde. Donc vous soyez, parce que pour la majorité d'entre vous aujourd'hui, vous êtes sûrement déjà des utilisateurs SolidWorks, vous avez peut-être des solutions SolidWorks chez vous que vous utilisez dans votre entreprise. Il y a une plateforme pour tout le monde, c'est-à-dire que vous soyez un utilisateur déjà avec une solution desktop, donc une solution classique de SolidWorks, ben, on peut vous le connecter et avoir accès à tout l'environnement qu'on va vous démontrer et répondre aux questions aujourd'hui. Et si vous n'avez pas encore SolidWorks, puisque c'est un choix qui se fait à vous, eh bien vous pourriez utiliser SolidWorks directement à travers la plateforme 3D Experience. Alors c'est une application locale qui s'installe, mais on est capable de pouvoir le faire, même si vous n'avez pas de SolidWorks aujourd'hui. Voilà, donc notre sujet du jour, Jonathan, c'est Enovia. On va parler un petit peu, on va parler beaucoup même de gestion de données, de collaboration et de différentes façons d'établir un petit peu cette communication-là. Alors, évidemment, la plateforme 3D Experience, c'est un changement de paradigme aussi, Jonathan, parce que on n'est plus sur du logiciel classique, on est sur un environnement SaaS, donc Software as a Services. Alors, un environnement sûrement que vous entendez parler à travers tous les logiciels que vous utilisez de plus en plus, que ce soit des Salesforce de ce monde ou des Office 365. Le concept, en fait, de licence avec un abonnement annuel pour nous supporter et nous maintenir et nous mettre à jour est en train tranquillement de disparaître dans le monde du logiciel pour laisser place au SaaS et à tous ces avantages qui vont avec. Donc, au lieu d'avoir un investissement et une acquisition lourde de licence logicielle, on va tout simplement passer dans un mode abonnement. Et en plus, dans un mode abonnement basé sur une plateforme web. Donc, qu'est-ce que ça donne, ça? Ben, ça nous permet d'avoir beaucoup moins de coûts externes aux licences reliés à la personnalisation, à l'implémentation, à la gestion de l'IT, donc des serveurs, du hardware, de l'infrastructure nécessaire en fait pour pouvoir faire fonctionner ces solutions-là. Beaucoup moins de maintenance et en général, besoin de formation, bien évidemment, comme pour toutes les solutions, mais besoin d'un petit peu moins de formation parce que une interface un petit peu plus intuitive pour pouvoir vous guider à travers les différentes applications qu'on va avoir. Donc, Par oui, exemple, si on parle d'un PDM, ben un PDM, ça va nous prendre une formation, évidemment, pour l'utiliser. Ça ne va pas changer avec la plateforme. On va avoir une formation pour utiliser la plateforme. Par contre, au niveau de l'administration, de l'installation, il faut connaître SQL, il faut connaître Windows Server. Donc là, les coûts de formation sont beaucoup plus élevés parce que ce n'est pas juste apprendre PDM ou pas juste apprendre SolidWorks, c'est d'apprendre aussi toutes des informations qui sont plus IT. Donc, c'est là où ce que les frais sont plus importants au niveau de la formation quand on est on-premise. Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu as bien décrit c'était quoi le on-premise? oui, On-premise. alors le on-premise pour ceux, et moi le premier d'ailleurs, qui sont moins à l'aise avec la langue de Shakespeare, c'est tout simplement les installations locales qui requièrent en fait absolument une infrastructure locale. Donc un serveur ou une machine ou quelque chose, ou une machine virtuelle, mais quelque chose qui va héberger la solution chez vous dans votre entreprise. C'est quand tu t'occupes de tout. Exactement, De c'est vous qui. l'installation, des mises à jour, des backups, des Oui, tout patchs. à fait.
Alors qu'avec la solution comme la 3D Experience, donc une solution basée sur le cloud et en modèle SaaS, évidemment, on va venir diminuer de beaucoup en fait ces différentes interventions. Donc, comme on peut le voir, en fait, là, c'est une étude un petit peu indépendante sur les différences entre les logiciels donc on-premises, donc avec des infrastructures locales que vous supportez dans votre entreprise, et des solutions basées sur le cloud et en formule SaaS, donc avec un frais d'abonnement mensuel ou annuel selon l'organisation. Donc, on voit bien qu'effectivement, on diminue de beaucoup. On augmente bien sûr les frais d'abonnement par rapport au support qu'on ferait sur une licence qu'on a achetée dans le passé, mais en revanche, on diminue de beaucoup toutes les coûts cachés. Alors, cachés, ils sont souvent cachés pour certaines personnes dans l'entreprise, mais de personnalisation, d'implémentation, de maintien des serveurs, de mise en place de toutes ces infrastructures qui peuvent être lourdes dans certaines compagnies, arriver à une certaine dimension en fait de structure d'entreprise. Ouais. On montre ça aujourd'hui parce que bien souvent, quand on fait nos présentations chez les clients, on arrive avec le prix pour un abonnement sur le cloud. Puis là, le client nous dit, ah, c'est bien plus cher que ma maintenance. Oui, mais ça inclut beaucoup plus de choses. Donc, c'est pour ça qu'on dit, il y a un prix qu'on voit quand on est sur on-premise, mais il y a tous les frais qu'on ne voit pas. Comme concepteur, bien souvent, c'est sûr que la personne qui paye en haut, la personne aux achats, ben, ou à la comptabilité, cette personne-là sait vraiment c'est quoi les coûts réels d'implémentation d'un SolidWorks ou d'un PDM ou de toute autre solution. T'sais, nous, on a passé tout à Microsoft Office 365 il y a quelques années. On avait le choix. Est-ce qu'on engage une nouvelle personne, une nouvelle ressource dans notre équipe IT, qu'on a déjà une bonne équipe IT, mais est-ce qu'on engage quelqu'un d'autre aussi pour continuer à maintenir ce système-là avec le système téléphonique, le système, tous les systèmes qu'on a à l'interne, où on s'est dit, ben, on y va vers une solution cloud, puis notre équipe IT va pouvoir se concentrer sur améliorer nos solutions plus internes. Donc, c'est là où ce qu'on a eu un avantage à passer sur le cloud par rapport au on-premise. Oui, de toute façon, toutes les études le montrent aujourd'hui que, à travers le monde entier, toutes les entreprises qui franchissent ce pas-là, ont finalement des économies, au bout du compte, en fait, que ce soit en temps, en ressources, en disponibilité de la solution, il y a toujours des économies qui vont être faites. Et on parle très peu souvent de la sécurité informatique aussi, mais au niveau de la sécurité, on sait que les solutions de cloud sont beaucoup plus sûres que les solutions internes. Ils ont des équipes spécialisées en sécurité, ce qu'on a rarement, nous, au sein de notre entreprise. On achète des routeurs, on achète des passerelles, on achète des antivirus, des firewalls et tout ça. Mais ça, on se fie à des spécialistes externes, tandis que quand on y va vraiment avec une plateforme cloud, ben là, on sait que tout est configuré, tout est bien setupé. Il y a des backups, il y a des réplications, il y a des redondances. Donc, le downtime est très, très peu aussi. On est toujours à 99,9 temps de mise en ligne. Donc, c'est quand même très bien là, par rapport à un serveur qui peut planter à la maison aussi. Oui, tout à fait. Et puis effectivement, on peut avoir peur des fois d'héberger nos données un petit peu à l'extérieur de chez nous, mais une fois de plus, les études externes nous montrent que nos données sont bien plus en sécurité dans le cloud, gérées par une compagnie qui respecte bien sûr les normes solides qui sont aujourd'hui les normes de la plateforme 3D Experience. Mais effectivement, ça peut éviter beaucoup d'impact de votre infrastructure locale et des pannes qui peuvent arriver ou des piratages qui peuvent arriver ou des rançonnages aussi qui peuvent arriver sur vos données. Donc, Ouais. Puis je reviens sur cette slide-là. Puis souvent, les chiffres sont très gros là, dans des études indépendantes qu'on ne sait jamais si c'est vraiment indépendant. Mais t'sais, si les chiffres, si c'est pas 9%, si c'est 18 ou si c'est 27%, ça reste quand même que le frais d'acquisition semble toujours plus bas en achat qu'en cloud. Mais la ouais. réalité, c'est que si on calcule l'ensemble, c'est là que le montant est plus élevé. Effectivement, ces chiffres-là partagent le commun avec tous les types de logiciels. Donc, ça diffère effectivement en fonction de chacun, mais ça donne quand même effectivement une très bonne idée des coûts globaux de solutions. Donc, on Alors, part sur des questions. ben oui, alors c'est ça. Donc, ce qu'on a préparé aujourd'hui pour vous, on a essayé de faire une formule un petit peu différente d'habitude. On a regroupé, comme je vous l'expliquais tout à l'heure,
La majorité des types de questions qui reviennent très fréquemment, en fait, à chaque fois qu'on fait des présentations, comme Jonathan le disait, on est passé à travers, surtout lui, parce qu'il s'occupe de toutes les présentations, mais à travers une centaine de présentations de la plateforme, et il y a toujours des questions un petit peu récurrentes. Alors, on va essayer de passer à travers, puis Jonathan va prendre la main après dans la plateforme en tant que telle pour vous montrer un petit peu comment on répond à ces questions-là, en fait. Donc, on y va, Jonathan, on démarre. On démarre tout de suite avec le tableau de bord. Alors, c'est quoi un tableau de bord et qu'est-ce que je peux faire avec ça dans ma plateforme, Jonathan? Oui, ben en fait, quand j'ai lu ta question, je me suis dit, je vais aller voir sur Wikipédia qu'est-ce que ça veut dire un tableau de bord. Donc, évidemment, ça dit très bien. Un tableau de bord, c'est un outil de gestion puis d'évaluation d'organisation au sein d'une entreprise. Donc, ça nous permet de rassembler un paquet d'indicateurs, un paquet d'informations à un seul endroit. Donc, ça, c'est vrai dans une voiture, c'est vrai dans les tableaux de bord pour des logiciels comme Slack ou SAP ou Salesforce, nous, qu'on utilise aussi à l'interne. Donc, ça, c'est vrai pour l'ensemble des logiciels, qu'ils soient cloud ou non. Selon la 3D expérience, un tableau de bord, mais c'est encore une fois, c'est un endroit où on va rassembler du contenu qui provient soit de la plateforme, soit du web ou soit de l'entreprise. Puis, c'est dans une vue simplifiée, donc tout à le même endroit. Et c'est vraiment personnalisable. Donc, vous pouvez avoir des tableaux de bord spécifiques liés à un rôle, à un projet, à un titre, un thème. On peut avoir un tableau de bord, par exemple, pour l'entreprise, mais on peut avoir général pour tout le monde. Puis on peut avoir un tableau de bord aussi qui va être dédié pour un projet d'ingénierie spécifique pour une petite équipe. Alors, ce tableau de bord-là ne sera pas disponible pour tout le monde, mais uniquement certaines personnes. On peut créer son tableau de bord au début d'un projet, puis le partager avec ceux qui vont intervenir là, dans notre projet. Alors, en gros, c'est ça un tableau de bord. Mais comment ça se traduit quand on est dans la plateforme? Alors, quand on vient se connecter à notre plateforme, comme c'est cloud, on va y accéder via n'importe quel navigateur web, PC, Mac, tablette, appareil mobile, peu importe. Et quand on arrive dans un tableau de bord, bien, on a des informations qui vont s'afficher selon la façon qu'on a personnalisé notre tableau de bord. Tu sais, on sait, dans les anciennes autos, on rentrait dans l'auto, il y avait le contour, il y avait l'essence, puis il y avait la vitesse. Mais maintenant, c'est des écrans tactiles, puis on peut personnaliser cet écran-là. C'est la même chose maintenant avec les logiciels. Donc ici, moi, dans mon tableau de bord que j'ai appelé Novia Analyst, ben, j'ai tout simplement 4 onglets que j'ai personnalisés. Ce tableau de bord-là, comme je disais, je peux facilement le partager avec mes équipes. Donc comme ça, tout le monde va avoir la même information. Ça fait en sorte que ceux qui sont moins à l'aise aussi avec l'informatique, avec la personnalisation de la plateforme, si on leur partage l'information, ben, quand ils vont l'ouvrir, ils vont déjà avoir tout devant eux. Donc ça va être plus facile d'accéder à la plateforme pour ces gens-là. Si je m'en viens ici dans mon onglet de départ, vous voyez pour l'instant, j'ai rien du tout dans cet onglet-là. Alors, c'est simplement pour vous montrer la facilité avec laquelle on peut personnaliser nos tableaux de bord. Alors, tout d'abord, j'ai une série d'applications qu'on va appeler des widgets à l'intérieur de la plateforme. Et j'ai des widgets pour toutes sortes de raisons. Donc, par exemple, pour visualiser du contenu, pour classer du contenu, pour afficher des nomenclatures, et même pour modéliser, parce que la plateforme a des solutions de modélisation de cloud, et ça va s'insérer via un widget dans ma plateforme. Alors, par exemple, ici, je pourrais afficher le 3D Play. Donc, le 3D Play que j'ai ici, j'ai juste à glisser, et j'ai maintenant mon visualisateur qui est dans ma plateforme. Je pourrais aller chercher également un 3D Swim. Donc, le 3D Swim, je viens de glisser. Si je comprends bien, le 3D Play, c'est le visualisateur universel de la plateforme. Comment ça se compare par rapport au visualisateur peut-être qu'on connaît par le passé qui est eDrawing? Oui, bonne question. En fait, eDrawing, c'est une super bonne solution pour ouvrir la majorité des formats CAD, pas juste SolidWorks, hein, puis même des formats neutres. Mais c'est une installation locale. Donc, ça prend un ordinateur assez costaud pour ouvrir un gros assemblage via eDrawings. Via la plateforme, avec le 3D Play, le calcul se fait sur les serveurs de Dassault plutôt que sur votre ordinateur. Donc, si on ouvre un assemblage qui est beaucoup plus lourd, ben, il va l'ouvrir beaucoup plus rapidement.
Puis, aucune installation à faire. Ça fonctionne sur PC, Mac, sur les appareils mobiles aussi. Et donc, c'est l'avantage d'utiliser cette de 3D Play, en fait. Ici, bon, j'ai inséré également mon 3D Swim. Le 3D Swim, c'est les communautés. Donc, on peut se créer des communautés, comme je disais, pour l'entreprise, pour certains besoins également. Alors là, on peut voir ici, j'ai ajouté des animations, j'ai ajouté des vues éclatées de mes modèles que j'ai créés via la plateforme. Alors, c'est un endroit où ce qu'on peut communiquer. Il y en a qui utilisent dans des entreprises des logiciels comme Slack ou comme Teams pour partager de l'information et communiquer. Or, avec le 3D Swim, c'est essentiellement ce que ça nous permet de faire. Et je ne vais pas ouvrir tout de suite quelque chose dans le 3D Play, on va le voir un petit peu plus tard. Super, merci Jonathan pour nous éclaircir un peu sur le tableau de bord. Alors, vous avez bien compris que le tableau de bord, c'est vraiment un environnement personnalisable et complètement paramétrable pour vos besoins dans la 3D expérience. Et collaboratif. Et effectivement, qui vous permet de collaborer en tout temps. Alors, la deuxième question qu'on retrouve souvent, comme vous le savez, vous utilisez peut-être déjà des solutions de gestion de données ou tout simplement vous gérez des versions, des révisions à travers des tableaux Excel ou à travers des solutions comme SolidWorks PDM. Alors, on est très habitué à ces solutions qui gèrent les fichiers, qui manipulent les fichiers, qui sont basées sur les fichiers. Alors, quelle est la différence, Jonathan, vraiment entre un flux de travail que je vais retrouver dans une solution de PDM unique et le système de maturité des fichiers qu'on va avoir dans une environnement? Ouais, effectivement, c'est un concept qui a même été le plus difficile à apprendre pour moi dans la plateforme. Moi qui fais des présentations de PDM depuis à peu près 15 ans, j'étais habitué avec les flux de travail puis de faire voyager un fichier dans un flux de travail dans PDM. Avec Innovia, on va plutôt gérer des processus. Et puis à l'intérieur des processus, il va y avoir aussi des flux de travail. Donc, si on regarde présentement au niveau de PDM, puis je vais remercier mon collègue Steven qui nous a fait cette slide-là, qui illustre très bien le fonctionnement d'un PDM. Alors, quand on démarre un fichier, le fichier par défaut va être en traitement. Et je fais mes modifications, puis quand je suis satisfait de ma conception, quand j'ai terminé, je vais relâcher le fichier et le fichier va tomber en révision A. Et non l'inverse, hein, je ne fais pas une révision A, puis le fichier est relâché. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis là, éventuellement, bien, après la révision A, on va avoir A en traitement, donc le A+ ou A.1, etc. On va faire notre conception, on va le relâcher et il va tomber en révision B. Avec Innovia, la différence, c'est que le fichier, encore une fois, quand on commence, il est en traitement, mais il va être éventuellement en révision A et là, on va le relâcher par la suite. Ce qui fait en sorte que quand je veux commencer à travailler sur une autre révision que la révision A, je vais tout de suite faire une révision B et elle va être en traitement. Okay? Donc ici, c'est des états dans le flux de travail, tandis qu'ici, ça va être des états de maturité à l'intérieur d'un processus. Donc A, B, C, ça va être mon processus de révision, mais entre ça, je vais avoir le fichier qui est en révision. En révision A, il peut être en traitement, il peut être obsolète, il peut être gelé, puis il peut être en mode privé et relâché. Okay? Donc, la révision A, ça ne veut pas dire qu'elle est automatiquement relâchée. Elle peut être en traitement, elle peut être en frozen, là, qu'appelle, ou gelé. Donc, c'est vraiment ça la grosse différence entre les deux. Alors, avant même de commencer à faire des modifications sur la pièce, c'est bien de tout de suite faire la révision B et par la suite de commencer à faire nos changements. Et donc, c'est Ok. vraiment là qu'on va avoir une différence. Excuse-moi. Si je comprends bien, on est ici un petit peu plus sur une gestion comme le ferait un PLM, hein, beaucoup plus orientée autour du processus, des process de l'entreprise versus un logiciel uniquement dédié aux fichiers. Oui, tout à fait. Donc, on a le processus qui est en haut, le processus d'entreprise. Éventuellement, dans le processus, il y a un état dans le processus ou une étape dans le processus qui va être la conception. Et là, on va avoir un flux de travail qui va être vertical à ce processus-là qui est horizontal. OK. Et ça va pouvoir gérer ces états-là. Alors, ici, ce flux de travail-là est aussi bien pour
une conception 3D que pour un PDF, un document Word. Vraiment, pour n'importe quel type de document, ça va être effectif. Merci. Jonathan, et pas juste des documents, en fait. Donc, j'ai dit documents, mais c'est une erreur parce que, encore une fois, PDM, ça gère des fichiers et Novia, ça gère des processus. Donc, ce n'est pas uniquement sur des fichiers qu'on va avoir des états. Ça peut être sur par exemple, sur une demande de changement d'ingénierie qui n'a pas de fichier à l'intérieur de la plateforme. On va appeler ça les change action ou les issue management. Donc, tout ça va avoir aussi des états puis des processus, des états de maturité. Ouais, ce qu'on a beaucoup plus de difficultés à faire avec un PDM classique, en fait. Absolument. Super. Merci, Jonathan, pour ces précisions. Alors, question classique aussi qu'on va retrouver. Mais ils sont où, mes fichiers, dans la plateforme? On est habitué de les avoir près de nous, nos fichiers. Et avec la plateforme, ils sont loin. Mais ils sont loin, mais ils sont proches à la fois. On va voir, avec la plateforme, il y a trois endroits où les fichiers vont être. En premièrement, on a ce qu'on appelle un 3D space. Le 3D space, c'est quoi? C'est un peu l'équivalent du coffre-fort. Donc, si on fait un parallèle avec PDM, ça va être le coffre-fort PDM. La différence, c'est que ce PDM-là, il est dans le cloud, il est sur les serveurs de Dassault. Et donc, les fichiers sont 100% sur le cloud à ce moment-là. Pour accéder au 3D space, un peu comme un PDM, ben, ça prend un accès, une clé, un client, un login. Donc, il faut vouloir se connecter. Évidemment, avec un PDM, il faut installer un client sur le poste local, tandis qu'avec la plateforme, bien, ça prend un nom d'utilisateur puis un mot de passe pour pouvoir accéder au coffre-fort. Et encore une fois, on va gérer les droits d'accès sur des fichiers, on va gérer qu'est-ce que les gens ont le droit de faire, le droit de voir via la plateforme, comme on le fait avec un PDM. Mais tout ça, les fichiers sont 100% dans le cloud. On a aussi le 3D Drive. Donc, le 3D Drive, plutôt être un peu comme un disque de partage, un disque personnel, un peu à la Dropbox ou la OneDrive. C'est-à-dire, on a un espace qui est dans le cloud. Donc, quand je mets le fichier via la plateforme, le fichier est dans le cloud. Mais il va avoir une synchronisation locale de mes fichiers. Ce qui fait en sorte que je peux également enregistrer des fichiers. Par exemple, si je suis dans Adobe Illustrator, ben, je peux l'enregistrer dans mon 3D Drive et le fichier va être accessible après ça via la plateforme. Okay, donc, c'est vraiment l'avantage, c'est que ce disque-là aussi peut donner des liens de partage vers des textes, vers d'autres personnes. Ça permet de travailler localement. Dans certaines entreprises, on va dire, bien, si tu as des tests à faire, si tu as des petites conceptions vraiment préliminaires à faire, fais-les dans le 3D Drive. Puis, une fois que c'est plus formel, bien là, on va le mettre dans le 3D Space, puis on va commencer à gérer les versions, les révisions, les releases, les droits d'accès dans le 3D Space. Et il ne faut pas oublier que quand on travaille avec SolidWorks, le fichier, oui, va être dans le cloud. Par contre, quand je vais vouloir modifier le fichier, bien, ça va télécharger le fichier localement. Alors, on sait que dans PDM, on a ce qu'on appelle la vue locale. Donc, on a les fichiers sur le serveur et quand je travaille dessus, ils sont copiés localement dans ma vue locale sur l'ordinateur. Alors, avec Innovia, c'est la même chose. Les fichiers sont tout simplement transférés localement sur mon ordinateur le temps de travailler. Et quand j'ai terminé puis que j'enregistre mes fichiers, les fichiers sont retournés sur le cloud. Okay? Donc, ça nous permet de le faire. Donc, c'est les trois endroits ou les trois façons, je dirais, là, de travailler avec des fichiers dans Innovia. OK, alors si je résume et si j'ai bien compris, en fait, mon 3D Space, c'est mon endroit ultra sécurisé, ma voûte, où là, vraiment, tout le cœur de mes informations sont là. Et j'ai en plus accès à un disque qui va me permettre le partage, en fait, un peu comme une Dropbox. C'est bien tout ça? Tout à fait. Super. Donc, si je m'en viens ici, par exemple, j'ai mon 3D Drive. Donc, le 3D Drive qui va également, si je m'en viens sur mon ordinateur localement, donc répliquer sur mon ordinateur. Donc, on voit ici, je vais changer. Pas tout à fait ce que je voulais faire. Donc, on va aller ici dans mes fichiers. Donc là, on va voir exactement la même structure de répertoire entre les deux ordinateurs. Et ce qui est bien, c'est que comme le fichier il est à la fois local et à la fois cloud, donc si je m'en viens par exemple dans mes fichiers de SolidWorks Composer, donc j'ai mes différents fichiers, je vais ouvrir lequel que je vais ouvrir, le Gearbox, tiens. Donc, je peux le glisser dans mon 3D Play pour le visualiser.
Donc, le 3D Play, comme je disais, ça peut lire, oui, des fichiers de conception, mais ça peut lire aussi d'autres choses que des fichiers de conception. Les widgets, on peut toujours les agrandir pour se concentrer là-dessus. Donc là, je suis concentré sur le 3D Play présentement. Donc, ça me permet de visualiser mes vues de SolidWorks Composer dans ce cas-ci. Alors, si je m'en viens dans mon volet de gauche, j'ai mon animation, mais je peux également activer les vues à la place. Et comme j'ai un écran tactile sur mon ordinateur, mais je peux aller avec mes doigts cliquer sur les flèches qui sont dans le bas pour activer les différentes vues. Et donc, tout ça directement à partir de mon 3D Play et de mon 3D Drive. Super, donc vraiment une façon quand même facile de pouvoir partager aussi de l'information encore une fois de plus avec la plateforme. Tout à fait. Puis, si je voulais aller, par exemple, dans mon 3D Space, alors je pourrais ajouter un widget. Le widget de mon 3D Space. En fait, j'ai une recherche ici. Hein. Je peux m'en servir pour chercher mon 3D Space. Donc, je pourrais l'insérer dans mon tableau de bord. Mais si je fais juste vouloir consulter mon 3D Space, vous voyez, en cliquant dessus, ça fait juste l'ouvrir séparément. Et là, je pourrais naviguer dans mes répertoires. Donc, par exemple, je m'en viens dans mon répertoire BioDAP. Donc, je vais avoir la série de mes fichiers qui vont s'afficher dans mon 3D Space. Simplement. Donc, ça, c'est des fichiers qui sont 100% cloud. Donc, là, les aperçus sont en train de se générer de façon automatique. Super, Jonathan, mais on voit encore les réflexes du classique hein, avec les répertoires. Donc, il n'y a plus vraiment de notion de répertoire là, puisque la plateforme classifie pour nous un petit peu toutes les informations et on n'a plus besoin de faire ce travail fastidieux là de classer nos documents hein, par la plateforme s'en occupe pour nous. Tout à fait, tu as raison là-dessus. Alors, prochaine question. Ça, c'est vraiment une question classique aussi, ça. Comment je peux retrouver facilement des choses dans la plateforme? On vient de le voir justement, là, j'ai plus ma bonne vieille structure que je connaissais avec mon arbre de sous-dossiers qu'on a méticuleusement pendant des heures mis à classer. Alors, du coup, comment je fais pour retrouver une conception particulière, une pièce, un assemblage, si je ne connais pas le nom, puis je n'ai pas beaucoup d'informations? En fait, la première avenue, ce serait avec les 6W tags. Donc, en fait, les 6W tags, peu importe on est où dans la plateforme, on va pouvoir rechercher et classer et filtrer du contenu à l'aide des 6W tags. Alors, je reviens ici, je vais juste aller voir dans peut-être ici. Donc, bon, les 6W tags, je vais aller ouvrir plutôt un autre. Produit. Alors, les 6W tags, parce que ça, c'est un nom un peu barbare, mais en gros, si j'ai bien compris, c'est un espèce de tag, un peu comme je mets sur mes photos, où je dis, ben là, je veux voir les photos où il y a de la forêt, où il y a du vert, où il y a du bleu, où on voit ma tête. Donc, c'est vraiment des tags comme ça, c'est ça, ou un peu comme ma musique, où je vais mettre mes styles différents. Et tout ça se fait automatiquement avec les propriétés des fichiers, c'est ça? Tout à fait. OK. Donc là, j'ai lancé une recherche pour RMA. Donc, il a retrouvé 80 fichiers. Je peux afficher mes résultats de recherche là, en plein écran. Et là, vous voyez à gauche, j'ai les 6W tags qui viennent de s'activer. Alors, ça me dit quoi? Ça me dit le fichier, il est où? En fait, mes fichiers dans ma recherche sont où? Alors, si j'avais des fichiers qui ont RMA dans le nom, là, en quelque part, qui ont été produits ou conçus aux États-Unis, en Europe, en Asie. Donc, j'aurai les géolocalisations. Ensuite, j'ai les espaces de collaboration. Donc, là, présentement, ces fichiers-là sont dans mon espace de collaboration qui s'appelle Change Action, ici. Et je pourrais trier aussi, parfois, il y a plus de tags aussi que je peux afficher. Et donc, je pourrais facilement trier mon contenu directement par ici. C'est la meilleure façon, c'est vraiment en utilisant à la fois la recherche avec les 6W tags pour retrouver son contenu. Si je minimise ça, puis je viens agrandir à la place le 3D Play que je viens d'ouvrir mon assemblage,
Et quand je m'en viens dans les CSW tags, alors là, je vais avoir des filtres sur ce qui est affiché présentement à l'écran. Alors, je vais pouvoir facilement voir par état de maturité mes fichiers. Donc, soit avec un cadran comme ceci. Je pourrais aller voir les fichiers par matériaux également. Pour trier les fichiers par matériaux, je vais juste valider un petit quelque chose. Parfait. Donc, je vais juste m'assurer que ce soit les bons tableaux que j'affiche. Alors, c'est vraiment une bonne façon également de retrouver ces contenus. Donc, si je m'en viens sur ce matériau-là, donc là, il est en train de trier mon contenu qui est affiché à l'écran par rapport à ce matériau-là. Donc, c'est vraiment, encore une fois, une façon parfaite là, pour retrouver ces données. OK. Donc, en gros, les tags, ça m'évite quand même d'avoir à connaître le nom d'un fichier ou une description particulière. Là, je peux vraiment retrouver l'information rapidement. Oui, tout à fait, parce que je pourrais faire des recherches à ce moment-là par fournisseur, make or buy, donc si on fabrique ou si on achète. Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on va pouvoir visualiser notre contenu correctement. Super. En fait, ça, c'est une des façons. Ensuite, j'aurais la deuxième façon, c'est via les bookmarks. Alors, les bookmarks, si je retourne dans ma plateforme, c'est ce qu'on... Oui, en fait, c'est des favoris. Donc, je vais me concentrer ici sur les bookmarks. Ici, je me suis créé des signets. Puis, dans ces signets-là, j'ajoute le contenu qui est relatif à un projet, à un produit, à un client. Donc, ça peut être des fichiers de conception, mais ça peut être également des documents PDF, des documents Word, des images, des vidéos. Donc, tout type de contenu peut être ajouté à nos bookmarks. Et ces bookmarks-là, les signets, peuvent être facilement partagés, encore une fois, avec le restant de nos intervenants dans l'équipe. Alors, facilement, ici, on va partager nos propres favoris sur un projet. Et quand j'enregistre, par exemple, à partir de SolidWorks, je peux lui dire d'enregistrer les fichiers via, en fait, et les ajouter en même temps dans mon signet, dans mes favoris. Alors, dans SolidWorks, on sait qu'avec la touche R, on a la fenêtre d'accueil avec nos favoris. Alors, quand j'enregistre avec la plateforme, je peux lui dire « va dans tel ou tel favori de ma plateforme ». Donc, ça, c'est une autre façon. Et sinon, on peut naviguer dans le 3D Space, là, comme je vous l'ai montré tantôt. Dans les 3D Space, s'il y a 10 000 fichiers, on va naviguer dans 10 000 fichiers parce qu'on ne va pas se créer des sous-répertoires et tout ça. On va utiliser les CSW tags plutôt pour classer notre contenu. OK, super. Donc, c'est un petit peu une nouvelle avenue, mais bon, on utilise toute la puissance d'être à travers du cloud et une plateforme web. Donc, on retrouve les classiques qu'on retrouve sur le web, les tags pour filtrer et les favoris qu'on utilise aujourd'hui déjà dans nos explorateurs web depuis très longtemps. Exactement. C'est vrai qu'on se sert de ça depuis toujours dans nos navigateurs web. Alors, effectivement, ça va être la même chose ici. Alors, prochaine question autour de cette 3D expérience. Bon, j'espère que jusqu'ici, tout va bien. On avait une petite annotation tout à l'heure, Jonathan, qui nous disait qu'il y avait une personne dans l'assemblée qui n'avait pas de son. Alors, on a regardé un petit peu, toute la configuration est correcte. Normalement, le son fonctionne. Alors, juste peut-être vérifier vos speakers. La sortie, des fois, il faut cliquer sur le petit haut-parleur, sur l'interface de GoToMeeting pour bien valider qu'on est sur le bon système de haut-parleur. Donc, j'en profite justement, si vous avez des questions complémentaires, évidemment, on passe à travers un question-réponse. Là. Donc, peut-être que vous avez votre propre question, elle sera peut-être répondue plus tard, peut-être pas. Donc, n'hésitez pas, allez dans le blog questions, je jette un petit œil régulièrement là-dessus. Vous avez donc une section questions dans le GoToMeeting, vous avez juste à entrer votre question, puis ça va nous faire plaisir de vous dire soit si elle va être répondue ou d'y répondre avec vous. Donc, n'hésitez pas. Alors, la prochaine question qu'on a ici, comment toutes mes applications que j'utilise aujourd'hui, j'utilise SolidWorks sûrement, là, hein, il y a de grandes chances, mais j'utilise peut-être d'autres logiciels, que ce soit des shells de CAD ou d'autres logiciels. Alors, comment ça peut s'intégrer aujourd'hui avec une plateforme comme Innovia?
Oui, en fait, on va pouvoir connecter nos applications via trois façons principalement dans la plateforme. Je suis en train d'ouvrir ici. Les choses. OK. Donc, on a via le connecteur. Les applications que vous avez déjà, par exemple, comme SolidWorks, comme Visualize, comme DraftSight, c'est des applications qu'on peut y ajouter un connecteur qui va se connecter par la suite à la plateforme. Donc, un peu comme un PDM, on a le PDM client, le CAD Editor qu'on appelle. Alors, c'est la même chose. On va pouvoir avoir un connecteur via nos applications locales dans certains cas. Dans certains cas aussi, on a des applications qu'on appelle des applications connected. Alors, c'est essentiellement les mêmes applications comme un SolidWorks, qu'on y ajoute un connecteur, sauf que c'est un SolidWorks qui vient déjà avec son connecteur. Okay? Donc, puis pour l'installation, c'est plus simple aussi. On installe des fichiers, on installe notre SolidWorks directement à partir de la plateforme. L'accès, la connexion, le login se fait via la plateforme. Au lieu d'avoir des mots de passe pour nos produits, au lieu d'avoir des étapes complexes d'installation, où est-ce que j'installe les fichiers, c'est où est-ce que je mets mon toolbox, c'est où est-ce que je mets tel fichier. Donc, avec les applications connected, on se connecte à la plateforme, ça télécharge les fichiers, ça les installe et ça les active via notre nom d'utilisateur et mot de passe. Alors, ça, c'est la deuxième façon. Et la troisième façon, ça va être avec les X-Apps. Les X-Apps, c'est des applications qui sont 100% cloud, donc je n'ai pas à faire d'installation, qui sont accessibles de partout ou à tout moment. Okay, donc ça, c'est vraiment les X-Apps. Au niveau également de l'intégration, si on ne fait pas nécessairement de la conception, on va avoir également une intégration avec Microsoft Office, une intégration avec l'explorateur Windows également. Donc, tout ça va être disponible. OK, super. Donc, je peux interagir avec toute la famille de produits d'Asso sans problème et de différentes façons. C'est un petit peu ce que je vous mentionnais tout à l'heure quand je vous disais qu'il y avait une plateforme pour tout le monde. Ben, voilà, c'est la raison pour laquelle il existe ces différentes façons d'intégrer Enovia et toutes les autres solutions de la plateforme avec les solutions existantes. Donc, c'est pour ça qu'on a plusieurs types de connexions possibles et de solutions à utiliser qui vont s'adapter en fait à vous en fonction de vos besoins. Exactement. Ici, si je reviens au niveau de ma plateforme, Alors, on est toujours sur la présentation, Jonathan, pour l'instant. ouais, je suis en On train la d'essayer voit de arriver. glisser. Elle Les est pas joies facile à passer. de l'écran. Quand je viens dans ma plateforme, ici, j'ai la possibilité d'ouvrir, quand je viens dans Microsoft, j'ai une application qui s'appelle Collaboration for Microsoft. Donc, ça, essentiellement, ça va démarrer mon explorateur Windows avec mon explorateur Windows avec l'intégration de la plateforme, tout simplement. Donc, là, ça vient de s'ouvrir ici dans mon autre fenêtre, encore une fois. Donc, présentement, je suis, si on regarde, je suis au niveau de ma plateforme. J'ai beaucoup de choses ici. Je suis au niveau de ma plateforme. Et si je lance une recherche, par exemple, pour un document 4240, donc je vais avoir mes fichiers qui sont ici, qui sont en lien 4240. Dans ce cas-ci, ce n'est pas les fichiers CAD que je vais avoir, c'est tout ce qui est documentaire que je vais avoir comme intégration. Ça va être facile, par exemple, ici, vous voyez, j'ai des fichiers en révision B, A et C, là, donc c'est le même fichier qui est sous différentes révisions. Au besoin, à partir d'ici, je pourrais verrouiller le fichier pour devenir propriétaire du fichier. Donc, ça me permettrait d'effectuer des modifications sur le fichier. À ce moment-là, ça me dit c'est verrouillé par qui. Et je vais pouvoir par la suite soit faire des révisions du fichier. Je vais pouvoir ouvrir mon document. Donc en gros, je peux faire un petit peu tout ce que je peux faire déjà nativement dans la plateforme avec mes fichiers de CAD, avec mes fichiers 3D, puisque j'utilise tous les jours.
Ben, je peux aussi le faire sur toute ma gestion documentaire connexe, en fait, à travers ce connecteur-là, c'est ça? Tout à fait. Donc, ici, comme vous pouvez voir, j'ai même mon intégration 3D Experience qui est directement dans ma suite Office. Moi, mes tâches de la 3D Experience sont maintenant répliquées dans mon Outlook aussi. Donc, je pourrais effectuer les modifications comme je le veux ici, puis par la suite venir faire mes enregistrements. Donc, par exemple, ici, je vais juste reformater l'image. Je pourrais venir changer, par exemple, la révision. Puis, en fait, vous voyez, quand j'ai enlevé le verrouillé, je ne peux plus enregistrer le fichier. Si je le déverrouille, je vais avoir accès pour enregistrer le fichier. Donc, je peux ajouter un commentaire. Donc, il y a une vraie protection collaborative aussi, facile et utile. Tout à fait. Avec la gestion de version de révision, là, comme on peut voir ici, j'aurais eu accès à ces fonctionnalités-là. Ce qui est super, c'est qu'on reste dans un environnement qu'on connaît déjà. C'est un petit peu ça le but, là. C'est de retrouver toute l'information dans un environnement déjà connu qui est l'explorateur Windows. Là, tout le monde, quasiment, à l'aise avec l'informatique, un petit peu à naviguer là-dedans, et ça permet de retrouver ses marques un peu si on est moins à l'aise dans la côté web. Tout à fait. Merci, Jonathan, super. Je pense que ça a bien répondu à l'intégration possible en fait des différentes applications. Alors, je ne reviendrai pas dessus, mais il y en a donc pour tous les types d'utilisateurs de SolidWorks. Tout à fait. Je vais ici. Je vais lancer mon SolidWorks en tâche de fond. Je vais te laisser continuer. Oh, je vais cliquer ici pour passer à ta prochaine slide. Voilà. Parfait. Alors, on a décrit un petit peu dans la dernière slide les différentes méthodes de connexion, mais qu'est-ce qui peut se connecter avec ces méthodes de connexion-là? Ce qu'on va retrouver, c'est justement les fameuses applications. Donc, Jonathan nous a expliqué tout à l'heure que nos applications existantes, celles qu'on connaît, qu'on utilise déjà, qui sont des licences, qu'on a souvent fait l'acquisition, donc les SolidWorks, les DraftSight, les Visualize. Ah, on a un beau SolidWorks qui vient de s'ouvrir, fantastique. On va pouvoir voir notre connecteur en live. Donc, je disais, ouais, SolidWorks, Visualize, DraftSight, mais pas seulement, aussi tous vos autres logiciels de CAD, puisqu'on est dans un environnement ici collaboratif. Ben, on le sait que vous avez d'autres logiciels que vous utilisez au quotidien. Donc, on peut citer AutoCAD, par exemple, sur lequel il y a un connecteur aussi qui va vous permettre, mais tous les logiciels de CAD quasiment sur le marché ont un connecteur pour la 3D expérience. Alors, c'est vraiment fantastique parce que vous allez pouvoir collaborer tout le monde, mais avec tous les outils sur la même plateforme. Hein, c'est l'objectif global de la 3D expérience, avoir un seul endroit unique où vous allez pouvoir héberger votre information et la partager. Que ce soit pour des données de marketing, des données d'ingénierie, pardon. Donc, c'est là qu'on va retrouver donc, tous ces connecteurs-là disponibles pour les entreprises. Et un peu plus loin, si on continue ici, on va voir aussi les applications connected. Alors, je sais que ça, c'est toujours un petit peu voué à, même nous, à l'interne, là, les noms se perdent un petit peu, mais une grosse différence avec ça, c'est que ces applications-là, connected, connectées, ce sont des applications qui sont déjà dans la plateforme. Elles sont là, en fait, en attente à ce qu'on les installe localement. Donc, en gros, j'appelle mon SolidWorks ou j'appelle mon Visualize et je procède à l'installation sur la machine sur laquelle je vais travailler. Donc, oui, il y a une installation locale parce qu'on a besoin de performance et ça ne travaille pas à travers le cloud. Mais en revanche, tout est géré directement par la plateforme, comme l'expliquait Jonathan, à travers votre login et votre password. Donc, c'est vraiment facile d'installer donc le SolidWorks ou le DraftSight Connected et l'utiliser. Et de l'autre côté, là, on a les fameuses X applications qui permettent d'avoir accès cette fois-ci à du 100% cloud. Donc là, je suis vraiment dans mon navigateur préféré, que ce soit Chrome, Internet Explorer ou autre. Et je vais pouvoir aller, comme on l'a vu dans le tableau de bord, glisser l'application directement dont j'ai besoin et me mettre à travailler directement dans l'interface. L'intérêt ici de ces applications-là, je n'ai pas besoin d'avoir une performance optimum sur ma machine puisque c'est le serveur Dassault qui gère toute cette puissance-là. Donc, voilà pourquoi les X applications sont utiles.
Oui, l'autre chose ici, c'est que les applications avec connecteur ou les applications connected, les fichiers vont toujours voyager ou transiger entre le cloud et l'ordinateur local, hein, entre la copie locale, la version qui est dans le cloud. Tandis que les applications qui sont 100% cloud, les fichiers sont toujours dans Innovia. Donc, ils ne quittent jamais la plateforme. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de temps de latence au niveau de l'ouverture, du transfert des données ou quoi que ce soit. C'est toujours 100% cloud. Donc, ça, c'est vraiment l'avenir. Ouais, effectivement, c'est ce qui est le plus souple. Sachez en revanche, par contre, que quand on dit les fichiers voyagent, oui, c'est vrai qu'il y a une copie locale qui se fait. Tout ça est totalement transparent pour l'utilisateur final, hein. C'est géré par la plateforme et tout cet environnement local-là, n'a pas à être géré par l'utilisateur. Mais effectivement, oui, il y a des transitions qui se font pour rendre confortable l'utilisation, par exemple, des très gros assemblages ou quoi que ce soit. On le fait de cette façon. Donc, ouais, ok, merci Jonathan pour tout ça. Prochaine question, parce qu'on avance dans le temps et il faut qu'on arrive au bout. Que dois-je faire pour partager des informations relatives à un projet? Donc, en gros, ici, c'est un peu de la collaboration, mais par contre, relative vraiment au projet et à l'avancement des projets, puisqu'on est dans un environnement un peu PLM, donc on va pouvoir gérer vraiment des process. C'est intéressant de voir pour les projets ce qu'on peut faire. Oui, tout à fait. En fait, l'endroit où est-ce qu'on va rassembler nos données, où est-ce qu'on va les partager, ça va être vraiment via le 3D Swim. Le 3D Swim que je peux vous remontrer ici dans un de mes projets. Dans ce cas-ci, mon 3D Swim, ben, c'est tout simplement ma communauté. En fait, où est-ce qu'on va pouvoir ajouter des captures, on va pouvoir poser des questions, on va pouvoir ajouter des posts. Alors, par exemple, ici, si j'ai des modifications à faire sur un de mes fichiers, ben, je vais pouvoir facilement aller ajouter des annotations à ce fichier-là. Donc, dans mes outils, je viens prendre mon outil de crayon, puis je vais dire peut-être de créer un support qui va venir rejoindre les deux parties de mon assemblage. Quel Pourrait article? mettre quel artiste, hein? Donc, ajouter un lien comme ceci. Et par la suite, ben, je vais pouvoir aller enregistrer cette capture-là, puis la publier dans un Swim. Alors, je peux la publier directement par ici. Ça va me donner accès à toutes mes communautés. Si je fais enregistrer la capture d'écran, ça va la télécharger, comme vous pouvez voir. Et là, ben, si je m'en viens à ajouter un post, donc, pièce modélisée. Je vais pouvoir prendre ma capture d'écran et je vais pouvoir aller taguer quelqu'un. Alors, par exemple, ici, je pourrais venir mettre un de mes collaborateurs. Donc, par exemple, mon designer. Donc, mon designer va automatiquement être notifié de la pièce à modéliser. Donc ça, c'est une des façons qu'on a de partager les informations. Vous voyez tout de suite, j'ai reçu une notification en haut à droite, comme quoi j'ai mentionné un utilisateur, mais l'utilisateur aussi reçoit une notification autant dans la plateforme que par courriel, si on veut. Alors ça, c'est intéressant, là. Si on n'est pas connecté actuellement à la plateforme, bien, on va recevoir un courriel avec un lien, on clique dessus, puis ça nous amène directement au bon endroit. Alors, des communautés Swim, on peut en créer pour des projets spécifiques. On peut avoir une communauté d'entreprise aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que avec les wikis, donc on pourrait se faire une structure de cahier de charge. Donc, au début d'un projet, toutes les informations relatives à ce projet-là, on les met dans le wiki. Comme ça, tout le monde y a accès à tout moment. Et quand il y a des mises à jour de wiki, ça va apparaître dans notre flux d'informations. Parce qu'ici, on a toutes sortes d'informations qui apparaissent, donc les posts, les documents partagés, des tâches, des idées, des questions, les sondages et comme je disais, les pages wiki. Alors, tout ça va défiler toujours dans notre flux d'activités et au besoin, ben, on pourrait trier uniquement juste les médias. Je veux filtrer juste les posts. Et donc, ça nous permet aussi de filtrer le wiki. Puis, si on a un cahier des charges dans notre projet, on va avoir toutes nos indications, nos instructions ici, à un seul endroit. Okay, donc, je sais qu'il y en a qui vont dire, ben, j'ai des documents Word dans mon serveur. Il y en a d'autres qui vont dire, j'utilise Slack. Il y en a d'autres qui vont dire, j'utilise Trello ou n'importe quel autre type de gestion de projet ou produit ou tâche ou quoi que ce soit. Donc, il y en a des tonnes, des solutions. Puis, le but de la plateforme, c'est de regrouper tout ça dans un seul endroit, puis de pouvoir partager des documents d'une solution à l'autre aussi.
Ouais, puis c'est un petit peu toute la philosophie d'un réseau social, mais basé sur les projets et interne à mon entreprise, quoi. Exactement. Super. Alors, prochaine question, Jonathan, à moins que tu aies encore des choses à nous montrer dans cette portion. Ouais, ben en fait, ici, je vais actualiser ça à nouveau. Donc, il est possible d'afficher les documents avec les 6 W tags de couleurs différentes. Donc, ici, là, en un clin d'œil, je sais exactement les documents qui sont release et les documents qui sont in work. Okay. Visuellement, ça a de l'impact, hein? Visuellement, il y a de l'impact. Il n'y a personne, il n'y a pas de solution là, qui fait ça là, autre que la plateforme. Et aussi rapidement, là, comme vous pouvez voir, je pourrais Alors, faire la c'est même pas chose avec les vrai. Si on matériaux. parle du release et du in-work, on a un outil dans notre PDM, dans nos outils externes, PDM expert, en Okay. fait, qui permet de faire ça. Mais effectivement, ça se limite par contre à quelques informations, alors que là, on peut vraiment afficher des états de couleur sur à peu près toutes les propriétés de la pièce. Alors, c'est surpuissant. Tout à fait. Donc, on pourrait trier par fournisseur ou comme on veut. Ça va trier l'affichage complètement au besoin. Non, j'avoue que c'est absolument génial. Super. Voilà. Tantôt, en fait, je n'avais pas parti mon SolidWorks. Donc, je vais juste ici retourner dans mon SolidWorks. Au niveau de l'intégration, là, on avait parlé qu'il y avait la version connect avec un connecteur, la version connected, la version les solutions X-Apps, là, cloud. Alors, c'est ce que j'ai ici présentement. J'ai mon connecteur à mon SolidWorks classique, là, comme vous avez déjà installé. Et j'ai accès à ma. À toutes mes fichiers de ma plateforme directement à partir d'ici. Donc là, vous voyez, si j'agrandis ça un peu, j'ai tous mes fichiers qui ont un lien avec le BioDAP. Donc, ce n'est pas juste des fichiers de conception, hein. J'ai des analyses ou des animations d'analyse. J'ai un branding guide ici qui est en lien. Donc, j'ai vraiment une tonne de fichiers. Et à partir des 6W tags encore, je pourrais aller classer mes informations. Pour dire, je veux juste qu'est-ce qui est dans mon projet BioDAP. Je veux juste mes documents de 3D ou mes assemblages, mes mises en plan. Donc, on peut facilement trier nos informations là jusqu'à temps qu'on trouve le bon fichier et qu'on le glisse dans notre SolidWorks. Super, ouais, donc effectivement, encore une façon facile d'avoir un accès à la plateforme, même quand je suis en train de travailler, là, j'ai pas besoin d'aller systématiquement sur le web. L'approche web, c'est vraiment aussi pour quelqu'un qui n'est pas dans SolidWorks puis qui veut avoir accès à toute l'information quand même. Oui, puis à partir d'ici, là, je vais avoir l'intégration, comme on connaît avec un PDM, de mon SolidWorks. Donc, ici, ça me dit c'est quoi la révision des fichiers, si c'est la dernière révision, c'est qui est présentement le propriétaire de telle ou telle pièce ou assemblage. Donc, on va toujours le savoir. Et par exemple, si je m'en viens sur une pièce ici, donc cette pièce-ci présentement est en révision C, mais j'ai accès à ces différentes révisions également. Donc, je pourrais créer une nouvelle révision. Je pourrais aller voir les révisions qu'il y a déjà eu sur cette pièce-là. Donc, vous voyez, j'ai présentement un perçage qui laisse facilement passer la vis, mais j'ai également mes autres révisions. Donc, je pourrais dire remplace ma révision C par ma révision A. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va télécharger la nouvelle révision et actualiser mon assemblage avec cette révision-là. Ça se fait de façon très transparente, comme vous avez vu. Donc, j'ai maintenant l'ancienne révision de ma pièce. OK, et puis en fait, le temps de chargement ou le temps habituel que j'aurais versus mon PDM ou l'utilisation de mes fichiers sur mon bureau est très peu différente. Là, c'est comme si je travaillais localement grâce à ça. À fait. Et Super. vous voyez, j'ai un plus maintenant pour me dire que je n'ai pas la dernière révision de cette pièce-ci. Génial. Donc, pour les habitués de PDM, effectivement, on retrouve un volet qui ressemble beaucoup à ces informations-là. Puis ceux qui n'en avaient pas, ben, vous allez voir que c'est très facile d'utilisation et de savoir quelle pièce ou quoi je peux utiliser.
Merci, Jonathan. Alors, prochaine question, parce qu'il faut effectivement, il nous reste 1 minute officiellement. Alors, allons-y. Comment je peux faire si je veux notifier facilement un collègue justement de ces fameuses modifications que j'ai besoin de faire sur une pièce? On le sait qu'on travaille dans un environnement collaboratif, il faut que je puisse prévenir mon monde si je fais des modifications. Ben là, tu Oh vas voir mon aussi. Dieu, effectivement, j'ai accès à tout ça. Ah ouais, ben quand on parle d'Innovion, on parle d'un outil de gestion et de collaboration dans le cloud. Alors, si c'est un outil de collaboration, nécessairement, on peut notifier des gens. Alors, on a déjà parlé de la communauté dans les SWIM. On a vu que je peux mettre des commentaires. Les commentaires peuvent se mettre au niveau d'une pièce, au niveau d'un fichier Word, PDF, là, partout où ce que je suis en fait dans la plateforme. Il y a toujours un petit onglet commentaire que je peux activer pour communiquer avec quelqu'un. Au niveau des tâches aussi, donc on a une gestion de tâches qui est vraiment très bien faite dans la plateforme. Donc on peut communiquer et notifier des gens à partir d'ici. On peut s'abonner sur des fichiers également. Donc ça, je sais que c'est quelque chose que toi, tu apprécies. Quand on est dans un bookmark, donc je vais aller ici, je vais retourner dans mon tableau de bord. Où est-ce que j'ai mes bookmarks. Alors, je peux venir sélectionner un fichier, par exemple, puis cliquer ici pour, je crois que c'est dans Outils. Donc, je vais pouvoir m'abonner ou m'inscrire à un fichier. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir des modifications sur ce fichier-là, je vais être notifié moi-même. Ceci étant dit, quand je suis dans le 3D Play, puis je m'en viens dans le volet à droite, vous voyez, j'ai l'onglet commentaires qui me permet de taguer quelqu'un ou d'apprécier ce que je suis en train de voir ou les commentaires. Et donc, vraiment, ça, c'est partout dans la plateforme. J'ai des conversations, je peux partager des fichiers, je peux faire des 3D markup. On sait qu'avec eDrawings, on est capable de faire du markup, mais après ça, de le renvoyer au concepteur, c'est plutôt difficile. Tandis qu'avec l'outil 3D markup, le markup reste au fichier, attaché au fichier SolidWorks. Donc, même si le fichier SolidWorks évolue, le markup va toujours rester et va être visualisable. Alors, ça, c'est vraiment tous les endroits où est-ce que je peux notifier des collègues de mes modifications. En fait, si on résume et qu'on simplifie, je peux faire ça absolument partout et pour tout. Partout Donc, et il pour faut tout. être prudent, par contre, parce que trop de notifications peut tuer la notification, mais par contre, si on y va avec parcimonie, effectivement, on est capable d'être informé de tout ce qui se passe à propos de notre projet. Ouais, j'adore cette phrase-là, là. Ouais, c'est vrai que la notification tue la notification. Donc, si on veut être au courant de tout, au final, on est au courant de rien. Ouais, effectivement. Alors, est-ce qu'il existe une solution facile pour pouvoir obtenir de la traçabilité, justement, on parlait de tous ces commentaires, de toutes ces notifications, mais là, par contre, j'ai besoin vraiment d'une traçabilité structurée parce que, par exemple, j'ai un environnement ISO à gérer et puis je dois répondre à des normes précises et prouver ma traçabilité à travers mes modifications, des choses comme ça. Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose que je peux gérer? Oui, partout dans la plateforme, on va avoir accès à nos change actions ou à l'historique des révisions qu'on a effectuées. Alors, facilement, on va retrouver les modifications qu'on a apportées. Je ne sais pas, est-ce que je l'ai mis ici? Donc, ici, j'ai ce qu'on appelle les change actions. Les change actions, c'est des demandes de changement d'ingénierie, si on veut, là, via la plateforme. Et dans ces change actions-là, ben, on va attitrer des gens, des personnes qui vont être attitrées à affecter la tâche, d'autres personnes qui vont être des approbateurs et d'autres personnes qui vont être juste des personnes qui vont être informées des changements. Donc, par exemple, la personne qui fait la documentation technique n'a pas besoin d'approuver, n'a pas besoin de faire des modifications sur l'assemblage ou les pièces, mais veut être informée parce qu'il doit mettre à jour sa documentation technique par la suite. Donc, c'est là où on va pouvoir mettre des personnes qui sont juste des personnes informées, qui se tiennent informées. Ici, si je m'en viens dans mes modifications réalisées, le change action présentement est sur un fichier SolidWorks, mais qui a également, en fait, c'est sur cette plaque-là que j'ai fait mon change action, mais ça implique d'autres pièces parce qu'évidemment, si je modifie mon change action qui est dans un sous-assemblage, dans un assemblage principal, tous les autres niveaux d'assemblage sont touchés par le change action. Mais ça se peut aussi qu'en modifiant le perçage de cette pièce-ci, le perçage de ma rod qui est là va être modifié. Donc, si c'est l'endroit où ce que je vais avoir mes modifications sur chacune des pièces. Donc, c'est quoi l'impact que ça a eu, mes modifications dans SolidWorks au niveau de ces assemblages-là?
Et ça se fait tout seul. Je n'ai pas besoin d'aller rentrer les modifications qui ont été effectuées. Ça s'enregistre de façon automatique. Présentement, je veux juste voir. Donc, j'obtiens quand même toute la traçabilité de qui, quand, où et pourquoi. Donc, ça, c'est vraiment ce qui va me permettre de maintenir, par exemple, un système ISO en place facilement en disant, voici, je peux prouver en fait les options de changement qui ont été faites dans mes différentes conceptions. Tout à fait. Donc ici, moi, mon change action, je reviens à sa description. Est-ce que je l'avais mis ici? Bon, ça se peut. Ah oui, OK. Donc, changer l'épaisseur de la plaque de 1/2 pouce à 1 pouce. Donc là, on voit bien que ma plaque présentement est à 1/2 pouce. C'était ma révision A. Et si je prends ma révision B, puis je la glisse dans mon player, là, on voit bien l'épaisseur de la plaque qui est à 1 pouce. Et donc, j'ai tout de suite la possibilité de visualiser le avant et le après. Super. Puis, bon, en plus de ça, je vais avoir les cycles de vie au besoin. Donc là, je pourrais aller chercher mon application de cycle de vie. Je vais mettre ici. Et si je prends, par exemple, ce dessin-là. Donc, automatiquement, même si j'ai glissé la révision C du dessin, j'ai tout de suite la révision C, B et A. Donc, ça, c'est des révisions. Mais comme je vous dis, j'ai des révisions. Par exemple, la révision B est encore en InWork. Et en principe, celle-ci, je devrais peut-être la mettre à obsolete éventuellement. Et donc, je peux faire des modifications directement si j'ai les droits. Donc, vous voyez ici, je n'ai pas les droits de faire des modifications sur cet assemblage-là. Il ne m'appartient pas. Si j'avais les droits, je pourrais mettre le fichier en obsolete directement parce qu'il n'est pas vrai. Je n'ai jamais produit celui-ci. Je suis déjà rendu à la révision C de mon dessin. Dans chacun de ces dessins-là aussi, je ne sais pas si la question était plus tard, mais je vais en parler tout de suite. On va avoir également les dessins qui sont disponibles, les PDF, donc de façon automatique. Quand j'ai accès à ma mise en plan dans la plateforme, j'ai accès à son dessin qui a été généré par une tâche automatique via Inovia. Ok, génial. Donc la plateforme est capable de prendre en charge en fait aussi des automatismes de conversion, là. Je pense que c'était justement une des prochaines questions. C'est parfait, on va avoir gagné un petit peu de temps parce que je reçois des alertes partout comme quoi on est en dépassement, ça fait 6 minutes, mais c'est passionnant, alors on continue. Oui, tout à fait. Puis là, ici, j'ai maintenant ma révision B. Voilà. Donc, n'hésitez pas s'il y a des personnes qui doivent quitter parce qu'on avait déterminé un temps. Il n'y a aucun problème avec ça. De toute façon, la session est enregistrée. Puis, comme vous avez vu au début du webinaire, on a un petit code QR où on a un lien sur notre site web. Vous allez pouvoir retrouver les enregistrements de tous ces webinaires. Donc, si vous voulez revenir plus tard pour voir un petit peu la suite, il n'y a pas de problème. Donc, prochaine question. Comment je peux faire pour justement, on vient de le voir un petit peu, là, on a vu une des méthodes, mais comment je peux faire pour voir les différences entre deux versions d'une pièce ou d'un assemblage facilement? Oui, bonne question. Ici, je vais pouvoir lancer mon application pour comparer. Donc, ça, comme on peut voir avec l'icône, ça dit que je peux comparer autant des pièces que des assemblages. Présentement, j'avais déjà mon dessin de sélectionné, donc il l'a ajouté. Je vais plutôt aller chercher un assemblage. Je vais reprendre ici mon BioDAP. Alors ça, c'est le fichier que je veux comparer, qui est en révision B. Et à droite, je veux le comparer avec quoi? Donc, je veux le comparer avec ma révision A. Alors, automatiquement, il est en train de visualiser les différences dans les géométries, dans les assemblages, dans les composants. Mais également, si j'avais lié des fichiers PDF, par exemple, de mes mises en plan ou quoi que ce soit, tous les documents liés aussi sont dans la comparaison. Donc, ça compare pas juste le modèle 3D, mais vraiment la structure de notre assemblage. OK. Donc, il est en train de calculer tout ça. Vous allez voir au niveau du résultat, encore une fois, je vais avoir le document d'origine qui va être orange, puis je vais avoir le document comparé, donc la révision A qui va être en bleu ici.
Bon, les quelques ralentissements que vous pouvez voir en ce moment sur l'accès, c'est tout simplement qu'on est en train de monopoliser ici les accès web chez nous, dans nos maisons personnelles, avec le GoToMeeting, l'affichage des vidéos. En même temps, tout ce qu'on vous montre hein, depuis le départ est complètement live sur la plateforme. Donc, ça commence à faire beaucoup d'Internet sur la même bande passante. Pour peu que nos conjointes soient aussi en télétravail à côté, en train de consommer de l'Internet, c'est sûr que ça joue un petit peu. Donc, voilà. Ouais, tout à fait. Relancer pour voir. Sinon, on peut essayer de sauter sur la prochaine question pendant que tu laisses la plateforme rouler et puis on va regarder le résultat ensuite. Sinon, on va se faire taper sur les doigts là vraiment pour le temps, là. Donc, toujours un peu dans la même ligne, est-ce qu'il est facile de voir l'historique d'une pièce? Bon, on l'a vu déjà, ça pas mal que oui. Et surtout, est-ce que je peux revenir en arrière facilement sur une modification que j'ai effectuée? Alors, je pense que cette question-là vient souvent des gens qui ont déjà une solution de données et qui facilement reviennent une version en arrière pour se dire, ah, bah, j'avais fait une erreur, j'en veux pas de ça finalement, on revient en arrière. Est-ce qu'on peut le faire facilement? Ben oui, en fait, je l'ai montré tantôt, hein, directement dans SolidWorks. J'avais une pièce qui était en Effectivement. révision C, puis je suis retourné en révision A. Or, ça, c'est possible autant dans le logiciel CAD que quand on est dans la structure d'assemblage, on peut aller modifier ou remplacer des fichiers par des révisions précédentes, mais aussi avec des révisions ultérieures. Donc, les deux cas, dans les deux cas, ça On peut se l'a faire. vu aussi, bien sûr, avec ta plaque d'un demi-pouce à un pouce, tu sais, où on voit évidemment qu'on peut revenir sur la plaque d'un demi-pouce sans problème grâce à Enovia. Tout à fait. Super. Alors, prochaine question. À moins que ce soit la dernière, je ne sais pas. Ouais, en fait, ici, c'était dans SolidWorks ou avec le Life Cycle là, que je vous ai montré précédemment aussi, où on voit toutes les révisions. Alors, ça aussi, en fait, on y a un petit peu répondu tout à l'heure quand tu as montré justement le cycle et à quel moment on pouvait rendre ou non obsolète une pièce. Mais voilà, comment on peut connaître l'état de maturité d'un assemblage ou d'une pièce dans Enovia? Donc, la réponse est partout, comme pour les commentaires, comme pour Tout à fait. les Donc, informations de collaboration. à tout moment, je peux aller voir l'état de maturité d'un fichier quand je suis à l'intérieur de SolidWorks, comme c'est le cas ici. Je peux modifier l'état de maturité même à partir de mon SolidWorks, mais je peux le faire directement à partir de mon Life Cycle, comme je vous ai montré tantôt, que je pouvais changer l'état d'un dessin qui était probablement obsolète, là. Si j'ai les droits, évidemment, je vais pouvoir le passer à obsolète. Effectivement, donc c'est facile et c'est accessible de partout, aussi bien dans le logiciel que dans la plateforme. Tout à fait. Super. Alors, on On va continue. passer le PowerPoint. Alors, on y a répondu aussi tout à l'heure, donc on va sauver un petit peu de temps, mais est-ce qu'il est possible de générer automatiquement des documents, avec la plateforme? Donc, on a répondu tout à l'heure avec le PDF, je pense, c'est ça qu'on avait montré, qui génère automatiquement, mais il y a d'autres types. C'est ça? Oui, tout à fait. On peut créer de façon automatique des PDF pour les mises en plan. Dès que j'enregistre un fichier, en fait, ça va automatiquement nous démontrer ça. On va pouvoir également générer des fichiers STEP au besoin. Donc, PDF de mise en plan et STEP de modèle 3D, essentiellement, c'est les deux façons qu'on va pouvoir créer des documents ou générer des documents, des outputs, là, de façon automatique. Ouais. Puis tout à l'heure, on a bien vu que la plateforme, en plus, effectivement, le reliait de façon automatique aussi, bien sûr, à l'assemblage ou à la pièce en question. Donc, vraiment facile de retrouver l'information puis de la partager par la suite. Tout à fait. Alors, on continue. Alors, on continue, c'est presque terminé. Ah oui, alors là, on est un petit peu sur la partie projet. Donc, comment je peux faire pour aujourd'hui avoir une vision globale de l'état d'avancement d'un projet? Donc là, on parle peut-être plus d'un chef de projet ou d'un responsable de la salle de dessin qui voudrait savoir un peu où on est situé. Ouais, ben, au niveau du projet. Bon, pour avoir un état global de l'avancement des projets, bon, je l'ai montré tantôt avec le 3D Play, où ce que je pouvais filtrer par couleur les documents s'ils étaient release ou s'ils étaient in work. Alors, ça, Effectivement. c'est une des bonnes façons de faire.
En fait, c'est la meilleure façon de faire là, pour avoir une vision globale. Sinon, on peut y aller aussi si on a un outil dans Innovia là, qui s'appelle le Project Planner, qui est un ajout au Innovia de base qui nous permet de visualiser ou de faire des Gantt charts de nos projets avec les tâches, les intervenants, les différents jalons. Puis on peut se créer des templates de projets à partir de là aussi. Donc, ça, c'est une façon de voir l'avancement des projets avec Innovia. Super, j'étais un petit peu déconcentré. En même temps, je répondais à une question. En fait, on avait une question d'un des participants sur la méthode de comparaison des dessins. Donc, je rementionnais qu'effectivement, c'était ce qu'on avait montré avec l'application 3D Compare, en fait, qui permet d'aller exactement comparer les versions comme on l'a montré tout à l'heure. Donc, super, on continue. En fait, là, je vous montre le 3D Compare. Voilà. Donc, ici, je suis sur juste une pièce de structure. Puis, je vois, je vais l'agrandir ici. Donc, ça superpose un par-dessus l'autre mon modèle bleu qui est la révision A avec mon modèle orange qui est ma révision D. On voit vraiment les différences entre les deux modèles. Donc, ça ici, c'est des ajouts qu'il y a eu. En fait, où on l'a enlevé dans la révision D, c'était dans la révision A. Tandis qu'ici, ben, on a allongé la poutre dans la révision D. Ah, donc c'est toujours très visuel aussi, hein. Ça c'est intéressant, hein, la notion des couleurs et tout ça. Donc visuellement, tout de suite, on a un impact et on voit qu'est-ce qui a évolué dans le dessin. Super. Alors est-ce qu'on peut, ça c'est une question vraiment importante et intéressante par contre, est-ce qu'on peut exporter des données puis les partager à l'extérieur de l'organisation? Parce qu'on a vu qu'on avait notre 3D Space là, qui est notre coffre-fort sécurisé, on veut que ce soit très étanche à ce niveau-là, là. Donc comment je peux faire pour partager à l'extérieur, Jonathan? En fait, avec la plateforme, on peut donner accès à des gens à l'externe à notre plateforme. Évidemment, ça va prendre une licence. Soit si le client a déjà une licence, il peut se connecter avec sa licence à notre plateforme. Si nous, on a une licence supplémentaire, on peut l'attribuer à quelqu'un de l'externe pour se connecter. Sinon, on va pouvoir partager les données tout simplement avec le 3D, le 3D Drive. Donc, le 3D Drive, si on y revient, c'est la version qui est locale et cloud de nos fichiers. Alors, je vais pouvoir naviguer dans mes fichiers qui sont dans mon 3D Drive. Et par exemple, si je m'en viens sur un de mes fichiers Composer, encore une fois, je pourrais le partager directement par ici. Si j'agrandis ça un peu, là, on va mettre le volet à droite. J'ai également la possibilité d'activer un lien de partage. Alors, le bouton partager, ça va partager avec des gens qui sont à l'intérieur de la plateforme. Tandis qu'ici, quand je viens activer un lien de partage, alors là, je vais pouvoir copier le lien puis l'envoyer à quelqu'un qui n'est pas dans la compagnie. Ça va quand même y prendre un nom d'utilisateur et un mot de passe pour se connecter, mais c'est complètement gratuit. Et donc, la personne n'aura pas à débourser des frais pour aller consulter des fichiers qui sont dans notre 3D Drive. OK, donc c'est un petit peu le même fonctionnement qu'un Microsoft OneDrive, par exemple, où là, je peux avoir un accès pour quelqu'un d'externe qui va juste venir consulter les fichiers. Exactement. Super, donc c'est quand même facile, même si mon 3D Space est très étanche et protégé de tout rançonnage ou piratage, par contre, je peux quand même échanger quelques fichiers via le 3D Drive. Tout à fait. On peut partager, par exemple, les fichiers de nos PDF de mise en plan à un fournisseur. Donc, au lieu d'y envoyer des courriels, bien, il va toujours dans le même répertoire, pour aller chercher les documents. Ouais, super. Ou ma machine de fabrication qui a besoin d'avoir accès à un répertoire partagé, par exemple. Effectivement. Puis, sinon, il y a toujours via le 3D Swim également, qui ça nous permet de partager des documents à des personnes qui n'ont pas nécessairement accès à tous nos répertoires de collaboration. Super. Donc ça, on y a répondu effectivement tout à l'heure, mais ouais, est-ce qu'on peut faire de la gestion documentaire? Donc un peu la même chose de traçabilité de nos documents externes au CAD, là, donc nos documents Office, nos documents qu'on gère tous les jours, que ce soit des Illustrator, des JPEG, quoi que ce soit.
Donc, la réponse, c'est oui. Puis, on l'a montré, Jonathan nous l'a montré tout à l'heure dans le Document Manager et dans l'intégration aussi avec l'Explorer. Donc, les deux combinés, on peut le faire soit dans l'explorateur Windows directement ou on peut le faire dans la plateforme, puis gérer donc les révisions de nos documents hors cadre. Donc, effectivement, on l'a même déjà démontré. Tout à fait. Alors, bon, j'imagine que c'est la dernière question. Je ne suis jamais sûr en fait, s'il nous en reste. Là. Écoute, on passe à travers tellement de questionnements et d'intérêts en fait, de cette plateforme-là. Donc, on voulait vous en faire profiter le plus possible. Alors, on est là. Est-ce que je peux travailler avec d'autres logiciels dans la plateforme? Donc, on le sait que bon, bah, SolidWorks, c'est le meilleur logiciel de CAD sur le marché. On ne se fera pas de cachette, surtout que c'est le nôtre. Mais il y en a d'autres sur le marché, puis des fois, on partage plusieurs logiciels. Alors, est-ce que je peux en utiliser d'autres dans Enovia? Oui, ben, tout à fait. Ben, par exemple, une firme d'ingénierie qui travaille en sous-traitance pour plusieurs clients, il va souvent avoir plusieurs types de CAD à l'interne pour satisfaire ses clients. Alors, avec Enovia, ben, c'est facile de pouvoir gérer les données autant de fichiers SolidWorks que des fichiers de d'autres CAD. Même avec AutoCAD, on a une connexion. Même les logiciels électriques et électroniques, là, on a des connexions avec ces fichiers-là, avec ces logiciels-là. Donc, effectivement, on a toujours l'intégration dans les logiciels de conception les plus classiques. Sinon, avec le 3D Drive, vous avez vu que je peux facilement enregistrer un fichier qui va être dans ma plateforme et gérer via un 3D Drive plutôt qu'un 3D Space. OK, super. Mais quand même, je suis capable de connecter donc la majorité des logiciels du marché sur la plateforme et de pouvoir fonctionner dans un seul et même environnement. Exactement. Bon, alors c'était effectivement la dernière question. Alors bon, je ne veux pas allonger le temps pour rien, mais on avait quelques questions d'utilisateurs. J'y ai répondu de façon privée, en fait, sur les parties. Notamment les comparaisons en termes de dessins 2D, les comparaisons sur le 3D. Donc, il y a de l'intérêt effectivement pour cette plateforme, on a plein de questions. Donc, n'hésitez pas à venir revisiter ce webinaire-là, on va y mettre fin très bientôt. Évidemment, je vous le disais, il y a une plateforme pour tout le monde, donc il y a aussi des offres 3D Experience pour tout le monde. Donc, vous avez des offres spécifiques qui vous donnent accès aux rôles clés, en fait, qu'on voit ici, par exemple, le 3D Sculptor avec toute la collaboration, le 3D Creator avec toute la collaboration, donc 3D Creator qui est la X-App, donc qui permet de faire du design directement dans le cloud, design mécanique classique, puis le 3D Sculptor qui permet de faire du design un petit peu plus freeform, surfacique et surtout de démultiplier les possibilités de SolidWorks en fait avec cette application-là. Donc, on complète réellement des choses que SolidWorks fait moins. Donc, ça, et on a aussi des offres, bien sûr, si vous avez déjà SolidWorks en main. On a des packages d'offres, en fait, qui viennent pour venir s'appuyer sur vos SolidWorks, puis bien sûr, prendre en compte le fait que vous avez acheté SolidWorks dans le passé. Donc oui, ne vous inquiétez pas, il y en a vraiment pour tous. Donc, n'hésitez pas, communiquez avec SolidExpert, donc avec votre représentant, SolidExperience maintenant, mais ils vont se faire un plaisir de pouvoir vous guider à travers toutes ces offres-là, il y en a beaucoup et c'est ce que je vous explique, il y en a vraiment pour absolument tous les types d'utilisateurs, on répond à peu près à tous les besoins. Donc, communiquez avec votre représentant, c'est lui qui va se faire un plaisir de vous guider vers le bon chemin et bien sûr, la meilleure offre possible pour vous au niveau budgétaire. Alors, merci à tous. Merci, Jonathan. Bien. Écoute, ça fut un plaisir de partager ce moment-là avec toi puis avec tous nos convives en direct. Et bah, écoute, au plaisir de se retrouver sous peu pour un prochain webinaire. Donc, je te laisse le mot de la conclusion. C'est quand même toi qui as travaillé le plus fort là-dedans. Donc. Le fin mot de l'histoire, c'est n'hésitez pas justement là, à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous montrer spécifiquement les produits selon vos besoins, puis de répondre à d'autres questions qu'on va pouvoir emmagasiner pour notre prochaine session de questions-réponses. Merci, François. À tous. Merci à tous. Merci d'avoir été là. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.